programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la Minute Quintée du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 5 janvier 2021, qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant toute chose, revenons sur le prix de Bourgogne quintée de dimanche concouru à Vincennes, où le crack FaceTime Bourbon, meilleur cheval de la planète qui portait le numéro 9, s'est imposé de peu devant Vivid Wisas, son compagnon de couleur. La minute quintée donne le quartet dans le désordre, en 6 chevaux seulement, lors de ce magnifique groupe 2. Lors d'une arrivée essentiellement composée de favoris, notamment pour les 4 premières places, il n'y a donc pas d'exploit à souligner du côté du concours de pronos gratuits. Pivot 55 555 trust la première place du classement du jour avec 208,50 affichant une petite marque de plus que Titou 44 et Choupier qui complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois. Allez, évoquons à présent le quintet plus du mardi 5 janvier 2021. Prenons une fois encore la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Poitiers, première course de la Réunion 1, aura pour mission d'ouvrir le bal. Ce sont 16 trotteurs français âgés de 8 ans et plus d'un niveau très correct qui s'affronteront lors de cette course B sur le tracé classique des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. À notre favori de faire passer à la caisse les nombreux preneurs qui lui feront confiance. Dexter Château, le numéro 14, est ce fameux favori. Présenté par la famille Bigeon, il reste sur 3 tentatives de premier choix. Souvent deuxième et troisième, il mériterait cette fois de l'emporter face à une opposition largement à sa portée avant coup. Défi Pierre J, le numéro 10, est un cheval d'une régularité sans nom. Déféré des 4 pieds et présenté par la famille Laurent-Claude Abrivard, il est une excellente base de jeu pour les jeux de Quintet Plus. Dollar Soyer, le numéro 12, a été préparé avec soin pour cette compétition par Grégory Torel. L'écurie étant en grande forme, à Anthony Barrier de transformer l'essai en le faisant monter au minimum sur le podium. Crescendis, le numéro 3, est une femelle entraînée par Jean-François Senet qui va bientôt terminer dans les 5 premiers. Sixième dernièrement, elle doit faire encore mieux aujourd'hui. Baron des Doux, le numéro 2, est un vieux cuir âgé de 10 ans qui reste sur une belle victoire et qui va tenter de conclure dans les 5 ici. Big Boss, le numéro 6, avec Mathieu Abrivard aux commandes, est un coup de poker assez amusant. En cas de non partant, Charme de Star, le numéro 4, performant lorsqu'il est dans un bon jour, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.